4 en vocal. Il y en a un qui joue les dardes, auto-soin, résistance, mesure désespérée. Bah, globalement, ça va être très efficace parce que dans les games, 90% du temps, le tueur tape un gars et se barre. Je suis pas quoi. Mais à l'heure actuelle de la méta, c'est bidon parce que tu vas passer ta vie à te soigner et jamais faire de gêne. Et le seul counter à un bon tueur, c'est de faire les générateurs. Il n'y a pas d'autre choix. C'est triste, mais quand tu es un bon tueur, tu n'as pas le droit de pleurer sur le fait de te faire gêne rush parce que c'est la seule solution que les survivants possèdent pour te battre. Parce que tu es trop fort pour eux. Donc ils peuvent pas te tenir, ils arrivent pas à chase correctement, tu es trop fort pour eux. Donc, leur seul moyen de s'en sortir ou d'essayer, c'est d'essayer de faire les 5 gènes. C'est pour ça que les perks d'auto-soin, c'est de la merde. Parce que ça t'empêche d'essayer de vaincre des bons joueurs, quoi. Je sais pas pourquoi les parties, c'est un truc qui stalk, non? C'est un Mikey qui stalk, je sais pas. Et t'as vu, le type est calculé quand tu lâches le gène. Yo, me revoilà. Welcome back, Chris. Ça va toujours depuis 4 jours. J'ai une otite et j'ai rendez-vous que ce soir. Je douille sa mère. C'est horrible. J'en ai eu une il y a pas longtemps. C'était infect. Les pires douleurs que j'ai subies en termes de maladie, quoi. C'était horrible. Force à toi, mon ami. Courage. Le tueur est peut-être un trappeur ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Un truc qui stalk ou qui pose des machins. Je sais pas. Ou alors il bouge pas. Je comprends pas pourquoi il... C'est un tueur qui bouge pas, je pense. Avant, j'ai joué avec un PU, il avait une perque pour voir l'aura des autres survivants. C'est lien. Ça, c'est une bonne perque en vrai, tu peux aller demander un heal au besoin. Ouais, ouais, c'est pas mal. Salut Dark Angel, comment tu vas? C'est la forme. Dis-toi que quand j'étais petit, j'avais eu à 2 otites tous les ans. J'avais une à 2 otites tous les ans. Mais what, c'est horrible ça, Yasko, force à toi. C'est infect. Je pense que le tueur c'est un booba qui a la cave. Ah non, c'est un spectre. Mais il joue pas. Il vient de se déplacer mais il joue pas. Je sais pas ce qu'il fait le spectre. Peut-être il a un objectif bizarre. Salut Hermite Panette, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Sopatinal, ah, un petit peu quand même. Sopatinal un petit peu quand même. Le spectre on l'a vu bouger, il était juste là. Je sais pas ce qu'il fait. Bah, il est là le spectre. Il est là. À quelque part. Oh, on l'entend. Technoed, technique sombre, je sais pas. Il joue pas en tout cas. Non. Il est là le spectre, je sais pas ce qu'il fait. Balade. Je sais pas ce qu'il fait. Là. Et Dark Angel. Il est pas là Tommy? Si, Tom Arden, il est là mais il travaille, tu sais. Il veut perdre en SBMM, on reconnaît. Ouais. Je suis pas sûr que ça marche si bien que ça de se laisser perdre toutes ces games. Je suis pas convaincu. Ce matchmaking est tellement mal fait. Okay. À quel point il est mal fait le matchmaking? C'est que... Comment expliquer? Solo queue, que j'affronte un bon tueur ou un mauvais tueur, je perds. Et... Il y a une session de jeu où j'ai fait 22 games sans sortir. Non. C'est pas ça. C'est 22 games sans qu'il y ait eu un 4 escape. Et il y a une session où j'ai fait, je crois, 9 parties d'affilée où j'ai pas réussi à sortir. 9 parties d'affilée. Et ben les parties d'après, t'es pas plus facile. Hein. Moi, je pense, tu vois, il est juste là devant. Il a no head, il attend, il va me no head la gueule. Donc j'ai pas proc le gène, je vais aller en faire un autre. Il croit vraiment que j'ai tombé dans son piège de gamin. Toi, tu y crois trop, toi. Il croit trop, j'ai tombé dans son piège. Il est marrant. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Il veut moi, hein. Il m'a choisi, hein. Parce que je suis l'obsession, il a peut-être une perque d'obsession, un truc genre Mori, ou tu vois. Il a peut-être rancœur. Peut-être il a un objectif de tuer l'obsession. Je pense que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a un truc où il doit tuer l'obsession. Très sympa de la part des mecs de pas faire le gène, ils sont adorables. En fermant les yeux les gars. Je ferme les yeux les gars. Je suis en train de le loop en fermant les yeux. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie.
Je les loupe en fermant les yeux, le mec. Parce que je sais qu'il me tapera jamais. Il attend le proc du. De la perque. Tu comprends? Il attend le proc de la perque. Mais les PU sont trop gentils, ils proc pas la perque. Ils sont adorables, les PU. Là, tu sais que j'ai loupe infini. Il a pas déboussolé, j'ai loupe infini ici. Il se rend pas compte de la dinguerie du loop. Il se rend pas compte de la dinguerie du loop. Là, c'est dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que là, je vais pas reprendre la fenêtre à gauche, hein. Je vais la reprendre à droite. Tu comprends ou pas? Tu comprends le coup ou tu comprends pas le coup? Tu comprends l'histoire? Ou tu comprends pas l'histoire? Là, j'ai the loop, hein. Là, j'ai the loop. Il peut rien me faire, je suis invincible. Ah, j'ai the loop, les copains. Ah, c'est juste phénoménal. En plus, il veut pas casser les portes, donc... Là, j'ai loop, mais infini de chez infini pendant 8 semaines. Pourquoi il proc pas les PU? Mais tant mieux qu'il proc pas. Le tueur, il veut memento mori, donc... Au contraire, ils ont raison. Ils ont 100% raison. Ah, enfin, t'as capté qu'il fallait casser. C'est bien, c'est bien. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, c'est bien, ça. Pas sûr qu'il m'ait capté, là. Ah putain, il m'a capté. Il va réussir à me bloquer, hein. Na, 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 na. Tu vois ce que je veux dire, Rancœur. Je vous l'avais dit. Je connais ce jeu quand même. Et ils veulent me protéger, hein, c'est adorable. Ah bah non. Je crois qu'ils me protégeraient. Bon, c'est mort, hein, je suis foutu. Hein. Je savais que j'étais condamné, les gars, mais bon. Je vais faire le tour. Si mes calculs sont bons, je suis mort. Mes calculs. What? Du coup, le doigt se téléporter. Je suis mort, hein. Ouais, je suis mort. Je pense que je peux pas atteindre la porte. Elle est pas ouverte. Si quelqu'un l'avait ouverte, c'était bon, mais là, c'est mort. Dommage, dommage, dommage. J'aurais essayé. C'est pas simple. C'était bizarre. Mais je m'en suis sorti. D'accord. Salut Quality Light, salut Matrico. De la forme. Là, c'était bizarre. Bon, on s'en est bien sorti, hein. J'ai pas compris la stratégie, mais à mon avis, il avait un défi dans Battle Pass, tuer l'obsession. Je pense que c'était ça. Je vois pas d'autre solution. Ah ouais. J'ai aucune autre explication. À mon avis, il avait... Ouais, c'est sûr. Il avait un truc comme ça à faire. Salut Madrico, ouais. Salut Guy. Guy 6. Elle est, tu vois, elle est perturbée, la Meg, mais il n'y a pas perturbée, c'est juste s'il avait le défi de tuer l'obsession ou de memento l'obsession, peut-être. Peut-être il devait memento l'obsession. Ça, faut mettre sur YouTube, c'était beau, tuto Counter-Spec Ranker. Ah non, parce que c'est pas un tuto Counter-Spec Ranker. C'est plus... c'est très bizarre, ce fonctionnement. C'est-à-dire que il aurait pu jouer la game normalement, Spectre, c'est puissant. La game normalement, tu mets boucher sadique et voilà, ta game elle se free win au final. Faut jouer intelligemment, mais c'est free win. Ouais, il avait le défi de tuer quelqu'un de ses propres mains, je pense. Donc il a mis Rancœur, tu vois. Il a mis des packs de relations d'aura. D'ailleurs, il a mis Je vous écoute pour son meurtrier et Murmure amer. Comme ça, il était sûr de pouvoir savoir où je suis lorsque les 5 gens se font grâce au Murmure amer. Et Memento parce qu'il devait Memento quelqu'un. Mais Memento jaune là, il aurait pas pu le faire. Rancœur, oui, mais. Tu es le dernier survivant. C'est spécial. Et au cas où tout le monde serait sorti sauf un dernier. Et... Enfin, ouais. J'ai pas tout compris à la strat. Franchement, elle était étrange. Fallait qu'il joue sa game normalement. Hein.